Hey, voilà, j'ai décidé de ne pas faire vidéo que sur des charognards, que sur les gens de Twitter qui en veulent à ma vie. J'ai décidé aussi de faire une vidéo sur des abonnés qui m'aiment, qui m'adorent, des abonnés qui veulent me chanter, des abonnés qui veulent me chanter tous les jours. Kevin, je t'aime, je t'adore, m'y fait, I love you. Mais ils m'ont choqué, ils m'ont choqué. Entre ceux qui ont cherché ma maison, ceux qui disent qu'ils sont mes sosies, ceux que j'ai rencontrés dans le métro, qui m'ont fait fort. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Tout. Ils vont se reconnaître. On peut aimer quelqu'un comme ça pour chercher sa maison. Avec ça, je dis je suis star. On dit je suis pas humble. Les gens de Twitter disent que je suis pas humble. Vous êtes malade. La gloire. Vous-même, vous avez mis de ma main. J'étais comme ça. Vous avez dit que fais comme ça. J'ai fait. Vous avez pris la gloire. Vous avez déposé. Vous avez dit que ferme. J'ai fermé. Maintenant, j'ai fermé. J'ouvre. C'est devenu comme la boule. Ça a pris ma tête. Vous dites que non. Tu n'es pas humble. Tupac était humble. Biggie était humble. Tamu n'était pas humble. Ils se sont entretués. Je suis star d'être humble. Pourquoi? Est-ce que moi je suis moine? Je suis moine. Vous êtes malade. Tu n'es pas humble. Le jour où vous prenez humilité pour faire sauce, ne me servez pas aussi. Le jour où vous allez prendre l'humilité pour faire crudité, si vous mettez dans pain, ne mettez pas dans mon pain. Laissez. En tout cas, il y a des abonnés qui m'ont fait fort. Générique. Coucou les chouris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Avant de commencer la vidéo des chouris, je viens vous parler d'une application qu'on adore tous et dont je suis persuadé que si vous ne l'avez pas encore utilisée, vous allez être convaincu grâce à ce que je vais vous dire et vous allez l'utiliser. Téléchargez TapTapSend. Oui, je viens vous parler de TapTapSend qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe en Afrique. Il n'y a que des gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. L'envoi se fait instantanément. Voilà, vous téléchargez l'application TapTapSend, vous mettez vos coordonnées, vous y incorporez, vous mettez votre numéro de carte bancaire, l'application enregistre votre carte bancaire et la personne qui est en Afrique doit juste avoir un numéro, Move Money, Orange Money, MTN Money, enfin Mobile Money. Si tu es en Europe, tu payes que 2 euros de frais d'envoi, peu importe la somme que tu envoies. Et mon code promo Chori12 te donne 5 euros gratuitement. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, 0 dollars de frais d'envoi. Peu importe, tu payes pas frais d'envoi. C'est un job, c'est cadeau. Chori12 te donne 10 dollars canadiens ou 10 dollars américains gratuitement. Utilisez TapTapSend. Si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-vous convaincre. C'est quoi? Chori12. On peut maintenant commencer la vidéo. Premier fan, ceux-là même là, je vais les appeler comment? Les abonnés dont je vais parler là. Je vais... C'est des choris comme les autres. Hein. Mais eux, leur qualité de choris là, je dois nommer ça. Les choris fort fort. Les choris fort fort. Premier choris fort fort. Mon sosie. Il y a un jeune Abidjan. Il dit... Oui. C'est lui qui dit. Je viens rendre hommage à mes fans. Hein. C'est pas pour les faire au show. Je vous aime, les choris. Mais je dois expliquer vos qualités de choris là. Aujourd'hui là, je veux expliquer. Il dit que il est mon sosie. Lui seul, il s'est levé, il a dormi, il s'est réveillé. Il dit on monte en dessin. Lui, il me ressemble. Souvent, il m'écrit sur Instagram. Souvent, il fait les photos. Il fait collage de nos deux photos. Bon, je vais pas mettre sa photo parce que je vais pas l'exposer. Mais souvent, il porte le crop top. Comme je porte crop top là, je porte plus crop top même. Hé, hey, je te dis, hein, toi, mon sosie là, j'ai arrêté de porter crop top. Hein. Mon ventre est sorti, oh, donc je peux plus porter crop top. Et puis, après, le crop top là même là, je n'aime plus. Ça fait trop woubi woubi woubi. Hey, non, ça fait trop sous. Ça fait trop. Non, c'est trop. Non, je veux plus. Même si mon ventre redevient un placard, je vais laisser crop top là. Je vais faire pour garçon là. Je vais faire pour garçon là. Tous les habits des garçons qui existent là. J'ai laissé ça pour aller porter crop top. Regardez-moi. Regardez-moi. On dirait une petite fille qui a 3 ans. C'est quoi ça là? Non, ça là, je regrette. Oui. Mais j'étais girly, mais j'étais toute girly. En tout cas, ça veut. Hey! Non. Quand mon ventre va diminuer, je vais faire. Parce que quand je regarde la photo là, y'a comment c'est girly? Y'a fait. Mon nom même est déjà pourri. Dès qu'on dit Kevin Aubin, on dit ça sonne. On dit forcé que je donne. Donc, y'a quoi? Je vais faire. Bref, j'étais à Abidjan, dans la maison de ma maman. À Yopougon, quartier Maroc. Parce que je ne voulais pas dire mon quartier. Mais j'ai tellement dit que ils ont entendu et ils ont cherché la maison. Je suis couché haut. Ma petite sœur vient me réveiller. Kevin, Kevin. J'ai dit quoi? Y a quoi? Ton sosie est là. J'ai dit quel sosie? Elle dit, ah, y a un jeune qui est venu là. Il a tapé, j'ai ouvert. Il a dit que bonjour. Je dis bonjour. Il dit, ah, c'est ici chez Kevin Aubin. Elle dit, j'ai dit oui. Il dit, ah, je te reconnais, c'est toi Noura, non? Elle dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, moi je suis le sosie de Kevin. Elle dit, ah, tu es son sosie. Il dit, oui.
Elle dit, il faut rentrer. Si tu es son sosie, c'est que tu es lui. Entends, ici, c'est chez sa maman. Donc, c'est chez toi. Rentre. C'est comme ça, Noura m'explique. J'ai dit, attends, j'espère que c'est pas le gars qui m'écrit sur Instagram pour dire mon sosie l'aigne. J'ai dit, ok, je m'en vais voir. Je me lève. Je me lève. Il est assis sur la terrasse. Il est comme ça. Il a porté crop top, pantalon taille haute, chapeau melon, bottes. Il était 13h dans le soleil là. Bottes, sac. Il est comme ça. Il a mis piercing ici. Parce que avant, j'avais piercing. Mais quand ils sont venus me réveiller là, j'avais déjà même enlevé mon piercing. Mais lui, il a gardé sa part. Sauf que lui, il n'a pas percé pour lui. Hein. Mais comme il veut que forcer, on se ressemble, il dit que mon sosie. Donc il a pris boucle d'oreille. Il met. En fait, tu n'as pas besoin de percer ici pour avoir la boucle. Moi, j'avais percé, mais lui, il n'a pas percé. Il a mis sa chose. Il est comme ça. Donc, j'arrive sur la terrasse. Je dis bonjour. Ah! Attends, attends, attends. Hey, Kevin. Hey, on se ressemble, yo. Hey. Non, on se ressemble. Je dis, ça va. Je dis, oui, ça va. Faut t'asseoir. Je dis, je vais m'asseoir. Ici, là. C'est chez moi. Non, faut laisser. Je vais m'asseoir. Toi, tu es déjà assis, non? C'est bon, c'est bon. Donc, je lui ai demandé comment tu as trouvé ici. Il dit vraiment, j'ai cherché. Quand je marchais, même je marchais, les gens m'arrêtaient pour me demander photo. Les gens pensaient que j'étais toi. J'ai dû dire que non, que je ne suis pas toi, mais je suis ton sosie. Je dis donc, étiquette de sosie là. Tu prends pour partager quoi. Dès qu'on te dit que, tu dis oui, je suis son sosie. C'est pas un diplôme. Faut pas chercher à être mon sosie. Faut chercher à être toi-même. Faut pas chercher à être mon sosie. Parce que c'est comme si tu es dans mon ombre. C'est ce que je lui disais. Je dis, c'est comme si tu es dans mon ombre. Hein? En tout, c'est pas bien d'être dans l'ombre d'une personne. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Il dit, oui, mais comme je te ressemble naturellement, je n'ai pas fait exprès. Je lui dis, bon, ressembler même, tu dis là. Vraiment, c'est un peu compliqué. Faut pas prendre ça mal. Hein. Mais ressembler, tu dis, on se ressemble là. Je te vois. Tu es mon sosie, non? J'allais voir dans toi. J'allais me voir dans toi. C'est pas là-bas. On se ressemble pas. Faut pas te fâcher. Hein. Moi, on se ressemble pas. Il dit non. Hein. Tout le monde dit on se ressemble. Tu connais un truc, non? Il a dit un nom là. Une fille là. Elle dit qu'on se ressemble. Même quand il marche dans la rue, les gens disent que Kevin. Je dis non, je suis son sosie. Je dis, hé. D'accord, on se ressemble. Il dit, attends. On n'a qu'à appeler Sanata. Sanata est venue. Sanata, Kevin et moi, on se ressemble pas. Sanata dit, hein, vous vous ressemblez. Il dit, hein, j'ai dit, tu as gagné, on se ressemble. On se ressemble, papy. On se ressemble. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il a vu crop top. J'ai dit, excuse-moi. Tu as porté crop top là. D'où? À où? C'est devant la maison ici, tu as porté. Pour venir me montrer qu'on se ressemble. Ou bien, tu as quitté chez toi. À Cocody. Pour venir ici, avec ça. Il dit, oui. J'ai porté ça depuis chez moi. Parce que moi, j'ai vu que tu portes le crop top. J'ai dit, non. Ma part, c'est à Paris. Crop top, je porte et puis tu vois là. C'est à Paris. Photo, tu as vu. Et puis tu allais couper habit aussi là. C'était dans Paris. C'était dans Paris. Oh. Je n'ai jamais porté ça en banlieue. Même la banlieue où il y a les wesh, je ne porte pas ça. J'attends d'aller vers Montmartre. Où il y a les Louis Dupont et tout là. C'est vers là-bas je porte. Quand tu m'as regardé sur Instagram là, tu m'as déjà vu je portais crop top à Benoît ou bien à Trècheville. Toi tu dis tu es mon sosie. Oh. Je ne dis pas non. J'ai dit non, tu dis oui. Je dis on n'a qu'à rester sur ton oui. Il n'y a pas de souci. Mais attends, tu es obligé de tout copier. Tu es obligé de tout copier. Les sosies de Céline Dion, tu penses que quand Céline Dion a perdu son mari, elles sont allées tuer leur mari? Non, c'est pas parce que tu dis que tu es sosie que tu dois tout copier. Hey, tu es sosie, hein? Sosie, sosa. Je lui ai dit, faut pas faire ça. Donc, tu as porté crop top, tu es quitté là-bas, tu es venu dans le quartier comme ça. Tu as marché dans le quartier où on critique mon quartier, où on critique là. Tu as traversé tout mon quartier. Et finalement, c'est chez moi que tu es rentré. Hey, vous venez donner carton d'invitation aux gens, hein? Vous donnez carton d'invitation aux gens pour m'insulter. Parce que quand ils vont te voir rentrer ici, ils vont dire que c'est ça. Et puis il dit non, en fait même là, j'ai profité parce que je suis venu composer. Je compose, il passait quoi là? Je suis venu composer. On nous a mis à Yopougon. Je dis, pardon? Tu allais composer en crop top? Il dit oui. Que là-bas même les gens disent que je te ressemble. Je dis non. Donc dans ton école où tu allais écrire là, avec crop top là, tu as dit que tu es mon sosie. Il dit oui. Aïe. Il dit, je sais que tu m'aimes d'un amour sincère. Je t'aime aussi parce que c'est bien. L'amour que tu me portes là, ça me va droit au cœur. Mais tu es méchant. Oui. Je trouve pas que tu es gentil parce que je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait. Tu as décidé aujourd'hui de t'habiller comme Donna Benja. Maintenant, quand tu es demandé, tu dis que c'est sur moi qui as pris Jésus. Pourquoi tu me fais ça? Mon nom qui est déjà pourri là. Mon nom qui est déjà pourri là. Si tu vas pas prendre Javel pour nettoyer, vraiment, faut pas prendre Soumara Lafri pour jeter dessus encore pour augmenter l'odeur. Faut pas me faire ça.
faut pas me faire ça. Et puis je lui ai demandé, Nela, ici là, tu as percé. Il dit non, j'ai pas percé, hein. Mais comme tu mets là, j'ai dit, hey. Donc le jour je décide comme ça de devenir femme, de mettre les seins, les fesses, de devenir, comme on dit, femme trans. Le jour j'ai dit que je veux faire elle, je veux devenir elle. Je veux plus m'appeler Kevin, je veux m'appeler Cynthia. Tu veux aussi tomber dedans parce que tu es mon sosie. Pas Kevin, tu aimes ça. Aïe, mon cher. Hein. Comme nos noms même sont déjà gâtés. Parce que moi-même, mon nom est déjà gâté. Souvent, quand c'est gâté, là, faut souder. C'est pas toujours quand c'est gâté, on laisse. Quand c'est gâté, faut souder. Souvent. Je dis en tout cas, merci beaucoup de la visite. Merci, hein. Tu as fait fort. Quand il s'est levé pour partir, j'ai dit le crop top, le crop top. Il dit au top. J'ai dit oui. Crop top au top. C'est ça qui m'a servi. Dans mon quartier, à Dupougon. Ah, mon sosie. Donc, moi, je pouvais pas avoir sosie garçon, quoi. Moi, je suis comme, et puis, je ne peux pas avoir un sosie que, un sosie garçon, un sosie que, un sosie qui joue au foot. Pourquoi? Pourquoi moi, mon sosie, là, ça doit être qualité? Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Il y a quoi? Pourquoi? Mais j'ai beaucoup d'estime pour mon sosie. Ah, il dit de mon sosie. Oh. En plus, franchement, j'ai oublié. Il m'a donné un chapeau. Je pense qu'il m'a donné un chapeau melon. Et il m'a dessiné. Il a fait un portrait. Donc, je lui ai dit merci. Merci en tout cas pour le portrait et tout. Mais c'est vrai que je lui ai fait un peu fort. Je lui ai fait un peu fort ce jour-là. Mais c'était gentil. Hein. On a bien discuté après. On a vraiment bien causé après et tout. Et il est parti. Donc, ça, c'était pour mon sosie. Deuxième abonné qui a trouvé ma maison. C'est un petit là. Je ne le connais pas. Il a créé sur Instagram Kevin Family. Quand je poste mes photos, il s'en va déposer sur Kevin Family. Son compte, il l'a créé sur Instagram. Là. Il prend une photo de mon petit frère, de ma petite soeur. En tout cas, il fait des choses de family là-bas. Une fois. C'est toujours une fois. Hein. Une fois, je suis à la maison encore, dans ma chambre. Bernice, il vient me dire que... Ah, le petit qui a créé Kevin Family, là, il est là. J'ai dit qu'elle te dit ça. Il est le petit sur Instagram qui a créé la page de famille, là, qui t'envoie toujours les messages, là, qui t'appelle Idolo. Voici ses messages, là. Idolo, Idolo. Donc moi-même, je l'appelle Idolo. Il ne sait pas que je l'appelle comme ça, mais c'est comme ça. Quand je veux le critiquer, c'est comme ça, j'ai dit. J'ai dit, Bernice, Idolo est venu. Parce qu'il venait beaucoup à la maison. Mais là, je vous explique la première fois. Idolo. Voici ça. Quand il écrit, il dit que Idolo. Donc, je dis, mais j'ai demandé à Bernice qui lui a montré la maison. Bernice dit que, ah, c'est Nora. J'ai dit, ah, c'est Nora. Bernice dit, oui, il a causé avec Nora sur Instagram. Et comme toujours, il envoie les messages à Nora et tout. Donc, Nora s'est dit que, bon, il n'a qu'à venir connaître la maison en même temps. J'ai dit, ah. Ok. Donc, Bernice dit qu'il faut sortir pour le saluer. Je dis, Naka, être là-bas. J'arrive. Parce que toujours, les gens vont pas venir ici. Et puis, j'ai jamais vu pour aller les saluer. Vous pensez que moi-même, je n'ai pas de star. Moi, j'ai star. On m'a dit que Shine, ma chanteuse préférée française, Shine, celle-là. On m'a dit, elle habite à Montmartre. Montmartre, là, c'est juste à côté de chez moi ici. Toujours quand je m'en vais à Montmartre, on vous a dit que j'ai toqué pour demander que Shine est où. Pour dire que celle qui a chanté, je suis une femme de couleur. Moi qui aime chanter comme ça là. Vous pensez que je peux pas aller à Montmartre prendre le micro pour faire je suis une femme de couleur pour qu'elle me remarque et puis elle sort de sa maison pour venir me parler. Je peux faire. Mais c'est quoi tout ça là? J'ai dit Naka se coucher là-bas. Quand je vais sortir, on va se parler. Donc je sors, je le vois. Petit comme ça. Petit. Mais petit. Je lui dis bonjour. Je suis hypocrite, toujours avec le sourire. Et bonjour, ça va? Ça va et toi? J'ai dit ça va. Tu as bu quelque chose? Oui, j'ai bu de l'eau, j'ai dit. Ah, dis merci. Ah. On est là. Parce que je sais plus, je vais dire quoi. Moi, ma qualité de star, là, je sais pas c'est vers où. Oui. Ma qualité de star, là, je sais pas c'est quelle qualité. Parce que moi, vous me traitez pas comme une star. Nenissa, wallahi bilahi talahi. Parce que quand tu quelqu'un est ta star, tu as peur même de passer devant sa maison. Tellement tu te dis, où c'est inaccessible. Je peux pas, c'est inaccessible. Mais chez moi, hein, on vient, on toque, on rentre, on s'assoit, on boit l'eau et puis on m'attend. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Donc je lui ai dit, hein, on est là-haut. La star, accessible. Accessibilité, c'est moi. Il y a quelqu'un qui est accessible que moi. Je suis accessible malgré moi. Je veux ou je veux pas où. On frappe à la porte, Sanata ouvre, on rentre, on boit l'eau, on m'attend. Accessibilité, Nelo. Accessibilité, Namou, c'est moi. Et puis on est là. Une heure de temps après, il est sur la terrasse avec... Ce jour-là, il y avait mes petites cousines. Mes petites cousines de 7 ans, 8 ans. Elles sont à côté de lui. Elles étaient en train de jouer sur la terrasse, en fait. Et puis, elles lui ont demandé, tu es qui? Il dit, ah, je suis le fan de Kevin Aubin. Je suis son plus grand fan. Ah, tu es le fan de Kevin. Donc, les petites qui lui disent, tu es le fan de Kevin. Il dit, oui. Lana, je vous jure sur la tête de ma maman. Il a commencé à citer ma carrière. En fait, Kevin allait... Il explique à mes cousines de 7 ans, 8 ans. Il fait mon... Comment on appelle ça? Il fait ma biographie.
Oui, il a fait ma biographie verbale. Il savait pas que j'étais au salon. J'étais au salon, en fait. Il était sur la terrasse. Il dit que, en fait, Kevin allait en France en 2016. Après, il a commencé à faire du journalisme. Il a vécu à Meulan, à tout. Tellement il regarde mes vidéos là, il connaît tout. Que voilà. Après, bon, Live TV lui a proposé un contrat, donc il est venu. Mais il n'est pas venu définitivement, hein. Comme il a les papiers là. Donc, il a conservé son appartement à Paris. Quand j'ai entendu ça, je suis rentré dans ma chambre. Parce que ça m'a fait peur. J'ai eu peur un coup. J'ai dit, c'est quoi ça là? C'est quelle façon d'aimer quelqu'un ça là? Moi, quand je suis venu sur internet, c'était quoi ça là? Moi, c'était pour que les gens me m'aiment comme ça au point de venir s'asseoir sur la terrasse et me dire, aïe, tu es dans ma maison, quand tu expliques ma vie aux gens de ma famille. Tu expliques ma vie moi-même qui appartient à ma famille là. Tu expliques ma vie aux gens de ma propre famille. Ya! Yeah! C'est quelle façon d'aimer quelqu'un? Non, 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 non. Fan ça là. Non, non, non. Moi, j'ai peur. Hey, moi, j'ai peur, hein. Il y a des fans talking. Hey, il y a des fans. Hey, lui là, peut-être dans 5 ans, s'il est toujours fan de moi, un jour je peux le voir, je peux mal lui parler. Ça va le frustrer. Il va tirer sur moi. Il y a des fans, ils t'aiment juste quand ils te font que tchoum tchoum. Oh, je ne dis pas qu'il va faire ça. Mais c'est pour vous dire que ah, je suis allé me coucher. Je sais quoi ça là. Hey. 2 jours après, l'enfant est revenu. Quand il est revenu, il a fait mèche. Quand je vous dis mèche, hein. C'est mèche qui s'est tressé. Mèche, oh, mou laissé. Il a fait mou laissé. Je suis dans la chambre, toujours. Bernice vient me... Bernice vient me dire que Kevin, Idolo est là. Je dis Idolo est venu. Je dis allez, Idolo est venu encore. Il dit oui, oh. Bernice qui me dit, mais cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Je dis, ah, il est venu avec quelqu'un. Bernice dit oui. Il est venu avec ses mèches. Je dis, ses mèches. Bernice dit, ah, faut sortir pour voir. Cette fois-ci, je me suis levé. La première fois, quand Bernice m'a dit qu'il est là, je dis, ah, je vais sortir après. Je suis sorti quand je voulais sortir. Mais cette fois-ci, là, j'ai dit, mèche. Je suis sorti, je vois que l'enfant a fait mourir l'été. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, bonsoir. Il dit, bonsoir, Kevin. Je dis, ah, ça va. Il dit, oui, ça va bien, toi. Il dit, moi, ça va pas. J'ai un peu mal à la tête. Je retourne me coucher. Je n'avais rien. J'étais juste sorti voir. Et quand je me suis couché, j'ai dit, il y a 3-4 mois, l'autre est venu avec crop top. Toi, tu es venu faire mourir l'été. Quand on vous demande, vous dites que vous êtes mes fans. Ça, là, ils vont dire que, mais lui, tous ses fans sont comme ça. C'est pas parce qu'il est pensé que ses fans aussi doivent. Tous ses fans sont comme ça. Je n'ai pas supporté. Je suis sorti de la chambre. Encore. Je dis, excuse-moi. Tu as fait tout mèche. Parce qu'il y a une coiffure, on appelle ça tout mèche. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, tu as fait tout mèche. Il dit, oui, comme. Il dit, ou bien c'est pas joli. J'ai répondu, c'est déjà fait. Ce qui est fait, fait. C'est déjà sur ta tête. Tu es déjà venu dans mon quartier. On a vu. Il dit, ah si ça te plaît pas, je vais défaire. Je dis, non. Mèche, tu as pris pour traverser tout le quartier à 16h. Ils ont fini de voir. Tu es rentré ici, ils t'ont vu. C'est bon, faut laisser. Parce que même si tout à l'heure tu défais, oh, ils ont déjà fini de prendre ma peau pour faire goudron. Faut laisser. Parce qu'ils ont déjà fini de prendre ma chair pour faire goudron. Ils ont levé, ils ont fait goudron. Faut laisser. C'est-à-dire, ils ont fini avec moi depuis. Faut laisser. Depuis que tu es rentré ici, là, ils m'ont déjà fait. Faut laisser, oh. Idolo, je demande pardon. Laisse. C'est quand vous me faites casser, Dieu qui va vous payer. Je sais que vous m'aimez. Mais ya! Toujours dans les je suis allé me coucher encore. Après, je sortais. Le petit me dit, hey Kevin, faut me donner mon transport. J'ai dit, c'est Noah qui t'a montré la maison. Elle va te donner le transport. Mais j'ai mis dans l'amusement. J'ai dit, c'est Noah qui t'a montré la maison. Hein. J'ai appelé Noah, j'ai dit, viens donner transport à Idolo. Kevin Family, le créateur. J'ai lui donné transport. L'enfant s'en va. Noah l'avait pas vu. Oh. Deuxième jour, tout mèche là, elle l'avait pas vu. Elle n'était pas là. Quand elle est venue, elle l'a vu. Elle lui a dit, aïe, tu as fait mèche. J'ai dit, ah, il a fait. Il a fait mèche. Depuis 16h, mèche l'est sur sa tête. Dans la maison, il l'a raté. C'est pas toi qui lui as montré ici. Il pouvait m'aimer de loin. Tu lui as montré le chemin de la maison. Il a fait mèche. Mémé a vu. Ma grand-mère était là. Mémé a vu. Il a fait mèche. Mémé a demandé c'est qui. Sanata a dit c'est mon fan. Voilà. Voilà. Il a fait. Il a go. Tu as venu poser question. Que aïe, tu as fait mèche. C'est pas toi qui lui as montré ici. C'est pas toi qui lui as envoyé la localisation. Il a fait. Il a raté. Je l'ai regardé même. Je dis regarde. Idolo, mon petit. Demain là. Demain. Tu fais un rajout. Ou on plaque ici et puis derrière, on met mèche comme ça. Tu fais rajout ou bien tu fais Raïssa, perruque Raïssa là. Tu fais, tu viens. Et puis quand tu arrives là, tu fais Snapchat avec Noura. Tu vas venir poser question. C'est toi qui vas montrer la maison, tu demandes s'il a fait. Il a loupé. Mais c'est un petit qui est très sympa, qui est très courtois, qui m'aime beaucoup, qui m'envoie très souvent des messages et tout. Donc voilà. Mais il pense qu'avant-hier même, il l'aigbait. Parce qu'il m'écrivait beaucoup, beaucoup. Je l'aigbais. Voici ça. Bon, je suis allé un peu fort. Je regrette. J'ai regretté après. Mais ah, il méritait. Il m'envoyait beaucoup de messages. Juste, il dit que je peux te parler. Je dis, je ne suis pas ton camarade. Hein. En fait, quand je vous dis c'est un enfant en fait. Je dis, je ne suis pas ton camarade. Hein. Ah, ah, oui, faut aller causer avec Bernice ou bien Noura. T'as
Ah, tu sens belle, je suis ton ami. Mais je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais, ça, moi, je marche pas, je cache pas. Quand je pense, je dis. C'est ça. Troisième abonné, c'est une dame. J'étais à la maison, je dormais profondément parce que j'étais sorti la veille. J'avais gazé la veille, en fait. J'étais allé en soirée la veille. Ma maman est venue me réveiller. Elle m'a réveillé à 15h. Oui, parce que moi, quand je sors, je rentre le matin, je peux dormir quand 18h. Elle m'est arrivée à 15h. Que Kevin, faut te réveiller. Il y a des moments où je suis sorti. Elle dit non, faut te réveiller. Il y a une femme qui est là depuis midi, depuis 11h, elle est là. Je lui ai dit que tu dormais, j'allais te réveiller. Elle dit non, de te laisser dormir. Qu'elle va attendre quand tu vas te réveiller. Mais il est 15h, la femme est là, ça peut faire 4h de temps. Faut te lever. Je dis mais c'est qui? Elle dit, ah, elle dit qu'elle est ta fan. Comme ma maman m'a dit, elle dit qu'elle est ta fan. Moi j'ai pensé à une jeune fille. Parce que ma maman souvent, elle va voir jeune fille. Elle va dire que la femme. Donc, j'ai pensé à une jeune fille. Je sors de la chambre. C'est une dame. Quand ils vous disent qu'une dame, une dame, une dame, dame, dame. Donc ça m'a un peu fait bizarre, tu vois. Parce que ce jour-là, quand ma maman m'a réveillé, j'étais très en boule. C'est-à-dire que je me suis lavé, je me suis brossé. Et je me suis dit, quand je sors, je m'en vais voir la personne. Parce que c'est quoi? Je me suis dit, mais attends, tout le monde ne va pas chercher la maison pour venir. Ça se fait pas. Hey, on n'a qu'à enlever affaire d'amour. On ne vient pas chez les gens comme ça. Donc je partais, lui fait fort. Quand je suis sorti, quand j'ai vu la dame, tellement je pensais que c'était pas elle. Pour moi, c'est une go qui connaît ma maman, une femme qui connaît ma maman qui est venue. Donc, je cherchais la fille. Déjà, c'est la femme. Ma maman me dit, hey, tu vas où la voilà? C'est quand je venais faire là. J'ai stoppé. Fort. J'allais lui faire. Si elle avait mon âge ou bien si elle était moins âgée. Hey. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça là, je peux pas. Je peux pas lui faire fort. Je suis impoli, mais j'étais limite. Je l'ai regardé, j'ai fait. Désolée madame, où je dormais. Elle dit non, moi-même, je voulais pas qu'on te réveille. Hein. Moi, je voulais pas qu'on te réveille. Moi, je suis là, j'attends. Je dis merci, c'est gentil. Donc, on allait au salon. Elle m'a expliqué que ah, je regarde tes vidéos, ça me fait déstresser. Quand j'ai des problèmes personnels, ça me fait du bien, tu es ma thérapie. Et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. En fait, ça m'a touché parce que bah, je pense que comme c'est une dame, voilà, c'est différent de quand c'est un jeune ou bien. Enfin, en tout cas, je sais pas. Et comme elle m'a parlé un peu de sa vie privée, donc voilà quoi. Elle m'a dit quand j'ai des problèmes, je regarde, ça me détend, ça me met de bonne humeur. Je dis, hey, c'est gentil. Et ça m'a vraiment touché. C'était pas c'est gentil banal. C'était un c'est gentil qui venait de mon cœur, quoi. Ça m'a touché en fait. Du coup, on a fait des photos, on a bien discuté. Et en fait, ça coïncidait. Je devais rentrer à Paris 2 jours après. Mais malgré que je suis venu à Paris, elle a cuisiné pour envoyer chez moi. Et en tout cas, merci encore, ma chérie. Merci, 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 mamie, merci, madame. Merci beaucoup. Et elle est béninoise, mais elle vit en Côte d'Ivoire. Quand on a commencé à causer et puis elle m'a dit qu'elle est béninoise, dans mon cœur, j'ai dit, Dieu merci, je n'étais pas fait fort. Excusez-moi, je transpire parce qu'il fait chaud. Dieu merci, fort, je voulais te faire là. J'ai avalé. Ce que je voulais te faire là, Dieu merci, j'ai avalé. Sinon, c'est toi-même qui allais m'avaler. Tu allais me mettre, elle allait me mettre dans quelque chose. Bon, elle est béninoise. Bon, je ne dis pas que tous les béninois sont comme ça, je rigole. Mais c'est pour vous dire que mon cher, elle est béninoise. Donc, voilà. Donc, elle a cuisiné du dokounou. Elle envoyait à la maison. Bernice Beck, là. Bernice m'envoie un message pour dire que, hey, Kevin, abonnez maman a envoyé. Voici le message. Bernice est bête. Que abonnez maman a envoyé nourriture. Il dit qui est abonné maman? Abonnez maman, là, c'est qui? Il dit la tante qui est venue, c'est la dernière fois, là. Il dit, mais pourquoi je l'appelle abonné maman? Il dit, mais c'est une maman. Il me dit, mais c'est une maman. Il dit, Bernice, tu es bête. Du coup, elle, en fait, je ne lui ai pas fait fort, tu vois. C'est juste que j'ai fortement été touché par le fait qu'une femme un peu plus âgée s'intéresse à mon contenu, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, il n'y a que les jeunes qui me regardent, en fait. Donc, ça m'a touché. Ça prouve que, bah, écoute, je fais du bien aux gens. Voilà. Dernier abonné, c'est ici même à Paris. Il y a 3 jours, je sors du métro, j'ai un sac dans ma main. J'ai mon sac. Et il y a un monsieur, un noir, hein. Un monsieur âgé, hein, qui a peut-être l'âge de mon papa. Il fait genre, il veut arracher mon sac. Il fait le geste, donc moi je prends peur. Parce qu'il est venu vers mon sac et puis il a fait comme ça. Moi j'ai pris peur et puis il a fait. Kevin, c'est comme ça, tu as peur. Kevin, tu es un peureux. Et je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, mais monsieur, ça fait peur. C'est quand vous venez de faire, là. Ça fait peur. Surtout que j'ai mes AirPods, je ne vous ai pas vu venir. Et puis, venir comme ça, ça fait peur. Il dit, oh, je voulais m'amuser. Je l'ai regardé comme ça. J'ai regardé son... C'est même pas lui que j'ai regardé. J'ai regardé son âge. J'ai regardé son année de naissance. 1970, un truc comme ça. Oui, c'est le visage de 70 ou 68. J'ai regardé son visage. Son âge après que j'ai laissé. Sous la canicule, là.
Toi, tu veux t'abuser comment? Il fait 40 degrés. Je sors du métro. Tu viens comme si... C'est quel abusement? C'est quel abusement? Depuis quand moi j'ai dit que j'aime m'abuser comme ça là? On est dans le métro. On n'est pas à Doradi. On est dans le métro. On n'est pas à Disneyland. Ligne 4 du métro. 40 degrés. Pourquoi tu veux faire comme si c'est le parc Astérix? Quel abusement? Si tu veux qu'on s'amuse toi et moi, tu payes Disneyland. On se va faire manège. Tu viens, tu prends mon sac, tu dis quel abusement? On s'est amusé comment? On s'est amusé comment? J'ai dit 1968 après que je l'ai laissé. Parce que lui là, il est né en 1968. Visage, j'ai vu. 1968 après que je l'ai laissé. Sinon, j'allais le brûler. Parce que je n'ai pas du tout apprécié. Déjà, j'étais fâché, il faisait chaud. Je veux rentrer chez moi vite. Tu vas venir faire les gens, tu tires mon sac. Et si maintenant tu tirais? Et si tu tirais vrai? Que Kevin. C'est quand il a dit mon nom, même ça m'a énervé. Donc j'ai dit, mais attends, je suis son clown quoi. Parce qu'il me voit sur internet, donc je suis son clown. En tout cas, je n'ai pas aimé, monsieur. Si tu regardes mes vidéos, je n'aime pas. Je n'aime pas. Faut plus me faire. Ok. C'est quoi ça là? Voilà les choses. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Fallait que j'explique mes rencontres assez inattendues avec des abonnés inattendus. Mais franchement, j'apprécie tous ces abonnés. Sauf le monsieur du métro, parce que je ne le connais pas. Enfin, je veux dire, je n'ai pas discuté avec lui. Bref. Mais tous ceux qui sont venus chez moi, que ce soit Idolo, que ce soit mon sosie, ou la dame, je les apprécie vraiment et je suis très reconnaissant de l'amour qu'ils me portent. Même si souvent je leur fais au chaud et tout, mais c'est affectif, c'est jamais méchant ou quoi que ce soit quoi. Donc je suis très très reconnaissant. On dirait pas comme ça, mais en tout cas je suis très reconnaissant de l'amour et de l'attention qu'ils me portent. Voilà, bisous les chéris, bisous Idolo, bisous mon sosie et bisous ma tata binoise. Ouais. Toi le monsieur du métro là, rien bisous. Bisous même de 1968, je veux pas. Bisous de 1968, je veux pas. Raté. La prochaine fois, quand tu vas me voir, tu vas me dépasser. Bisous les chouettes.